aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est lundi donc c'est unboxing. Le lundi c'est unboxing avec la boutique FG Normal. J'ai reçu donc mon petit colis de partenariat avec la boutique FG Normal. Comme là c'est Chouchou qui a choisi, bon, comme beaucoup de fois, hein, quand c'est du Diamond Painting. Il n'a pas pris de DP, de toile de DP. Il a choisi plusieurs DIY à diamanter, bien sûr. Et moi, j'ai pris en plus deux petits accessoires que je prends régulièrement, mais que l'on a besoin énormément. Je commence par les accessoires tout de suite. Et après, on se mettra certainement face bureau pour mieux voir ce que l'on a choisi. Voilà, je vais y arriver. Le petit pot de glu. Alors, celui-là, c'est comme je vous disais dernièrement, vous voyez, c'est celui en forme de diamant, on va dire. Et cette glue-là, elle est vraiment nickel. Déjà, elle est beaucoup plus foncée que les autres. J'en ai pas là à côté de moi, non, mais bon. Et elle est très épaisse. Voilà. Et dedans le petit pot, vous en avez... Alors, j'ai toujours le dernier qui... Voilà. J'en ai 5. Voilà. Et les autres pots, souvent, c'est 3. Donc là, vous voyez, 1, 2, hop. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Et vous voyez, le petit pot, il est top ici. Alors, ne jetez pas vos petits pots. Par exemple, si vous avez des petites perles, des choses comme ça à ranger, ils sont pas mal, ces petits pots. On peut très bien les recycler. Alors, ce petit pot de glu est à 1,25 $. Alors, sur FG Normal, à la base, c'est des livres, hein. Donc, c'est 0,99 $ ou 1,25 $, soit 1,16 €. Voilà. Hop, la petite glu ici. Deuxième accessoire, si on peut appeler ça un accessoire, mais c'est les petits stickers comme ça. Alors, ça, nous, on s'en sert aussi bien pour le DP que pour la broderie. Voilà. J'ai deux paquets dedans, oui. Alors, j'ai un paquet comme ça, vous voyez, les stickers sont carrés, voilà. Bon, je ne vais pas l'ouvrir, mais c'est toujours pareil. Hein. Vous avez d'abord une première liste de numéros qui va du 1 au 99. Ensuite, vous avez l'alphabet complet. Et après, toutes les autres feuilles, ce sera toutes les références DMC. Voilà, elles y sont au complet, sauf les 35 premières. Et là, c'est pareil, mais ce sont des stickers ronds. Voilà. Sinon, c'est exactement la même chose. Les stickers, donc... Ah, ben, j'ai oublié de le marquer en euros, mais je vous le remarquerai à l'écran. 3,75 $. Voilà. Hop, voilà. Allez, on va se mettre face bureau pour découvrir ces DIY. Alors, voilà. Donc, il y a 3 paquets. Allez, on va ouvrir le premier. Bon, je l'avais déjà vérifié avant. Hein, donc, les paquets sont ouverts. Vous allez avoir dedans le petit toolkit, voilà, la petite glue, le petit stylet, le petit plateau, comme d'habitude. Vous allez avoir des strass, je vais vous les montrer en détail tout de suite. Et voilà, alors, attendez, hop. Vous avez des petits stickers aimantés, comme ceci. Donc, vous aurez compris que c'est des aimants. Et voilà, alors, regardez ma main. Vous voyez, ils sont très grands. Ça fait la grandeur de ma main, là, pour celui-là, en tout cas. Alors, moi, par contre, les petits stickers comme ça, je les trouve pas assez puissants. Donc, moi, je remets des aimants normaux, des aimants en fer, hein,
Ceux-là, je ne les trouve pas assez puissants parce que bon, ça, nous, on va le mettre sur le frigo. Mais bon, je les garde hein, de côté, ça peut servir. Donc voilà. Une petite canette. Voilà. Ça va, on va dire que c'est une canette à l'orange hein, parce que ça, il y a des quartiers d'orange. Voilà, avec sa petite paille. Là, il y a une petite feuille. Ça change et je trouve ça super sympa. Alors, je vais vous montrer les. Alors, si je trouve le bout, oui, voilà. Alors, ceux-là, je n'ai pas l'impression d'en avoir déjà vu, mais bon, comme j'ai déjà dit, hein, je regarde pas toutes les vidéos unboxing. Sinon, j'aurais pas assez d'une vie hein, pour les regarder. Voilà. Donc ça, ce sont tous les petits strass. Ici, on va avoir des strass un peu plus grands. Ici, des gouttes d'eau comme ceci et des grandes gouttes d'eau comme ceci, vous voyez par rapport à cela, la taille. Voilà. Les grands, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Et il m'en faut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, il y a ce qu'il faut en strass. Hein. Voilà. Alors, ils vont tous être au même prix. Donc, je vais vous donner le prix à la fin. Enfin, tous. J'en ai. Comment? On en a pris trois. Voilà. Je remballe tout de suite, comme ça. Ça, les petits. Bon, ça, c'est rien. Je vais les laisser là. C'est rien, vous inquiétez pas. Hein, je parle toute seule. C'est l'âge. Hein. Voilà. Arrivé à un certain âge, ben. Allez, le deuxième. Le petit paquet de strass. Le petit. Tool kit, oups là, ah oh, je vous ai pas dézoomé, excusez-moi. Le petit tool kit, donc les strass, je disais, les petits disques aimantés, et ici on va avoir, regardez, hot dog. Donc vous voyez, pareil, hein, vous voyez ma grandeur, ils font la grandeur d'une main. Donc je vous ai pas dit, ils sont en plexi, voilà. Alors, je pense qu'il y a, je sais pas s'il n'y a pas une, si il y a une protection derrière également, voyez. Donc, faut pas oublier de l'enlever. C'est pour qu'il soit bien transparent quand vous allez le mettre sur votre frigo ou ailleurs. Donc, faut pas oublier d'enlever la protection qui est derrière. Et là, devant, bien sûr, vous avez une protection pour, je vais pas le faire maintenant, mais pour la colle qu'il y a dessus. Voilà, vous voyez, niveau impression, c'est nickel, hein, les couleurs sont top. Un joli hot dog. Alors, les strass, on va toujours être à peu près pareil, je pense. Voilà, allez, je vous zoome. Les petits yeux de chat, là, bah, ils sont à l'envers, mais voilà. Des strass. Les verres, ça va être pour la salade. Et voilà. Donc, ce petit hot dog, pareil, qui va être bien amusant à faire. Que Chouchou va les faire ce week-end. Hop, voilà. Et le dernier. Alors bien sûr, on va rester dans le même style, hein, vous aurez compris. Le petit paquet de strass.
Alors, mes aimants, ils sont là, bien sûr. Alors, j'ai toujours mes deux ronds aimantés. Je les remets tout de suite dedans. J'ai toujours mon petit toolkit. Et cette fois-ci, j'ai le paquet de frites. Voilà. Donc, on a le paquet de frites, le hot dog et la canette. Bon appétit. Je les trouve assez rigolos. Ouais, je vous dis, c'est la première fois que je les voyais. Quand Chouchou me les a montrés, il me dit on prendrait pas ça. Je suis voici, oh, bah, c'est top. Donc voilà. Allez, je vous montre les strass et après je vous dis le prix de ces petits objets à diamanter. Alors, il y a encore d'autres modèles. Hein. Il y a le hamburger, il y a d'autres modèles qui existent. Peut-être qu'on les prendra par la suite, mais bon, on verra bien. Voilà, ici, des strass étoilés, des yeux de chat, et encore des yeux de chat, mais rouges. Voilà. Là, il y a un peu moins de strass, mais il y a un peu moins de couleurs également. Hop, allez, rentre dedans. Donc voilà, je vous remontre les trois images. Hop, je vais les ressortir, c'est pas très grave. Alors, celui-là, par contre, je ne vais pas mélanger les sachets. C'est le dog, voilà, et la canette ici, voilà. Alors pour ces trois objets à diamanter, alors ils sont au prix de 3,99 €, ce qui vous fait 4,67 € pièce. Voilà, ils sont très jolis, je pense qu'ils vont être du meilleur effet. Je vous les montrerai dès que Chouchou les a terminés. Je crois qu'ils vont être très très beaux. J'aime beaucoup. Voilà, bah écoutez, je vous laisse pour aujourd'hui. Moi, je remercie beaucoup la boutique FG Normal. Toujours très heureuse de présenter des articles de leur boutique. Et en plus, des articles originaux comme ça, bah, ça change un petit peu. Moi, je vais vous laisser, comme je vous disais aujourd'hui. On se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. À bientôt, bisous bisous.